que nous avons rencontré un homme qui a les mêmes idées que nous, un homme que nous connaissons tous engagé, n'est-ce pas, dans les efforts de changement de cette nation. Donc, nous avons discuté avec lui de toutes les possibilités de réussir cette initiative. C'est un défi sérieux que nous devons effectivement remporter. C'est un défi difficile, l'unification de l'Église, même pour une circonstance de temps, une circonstance momentanée comme celle de l'élection présidentielle. C'est vraiment quelque chose de difficile. Mais au sortir de notre entretien avec le révérend Bruno Goussi, nous sortons de là enrichis avec également des conseils. Voilà, nous avons rencontré un homme à l'écoute. Il faut dire que le mouvement race a lancé un appel à la candidature unique de l'Église. C'est une opportunité que le Seigneur accorde à l'Église. Pour ce faire, nous avons eu besoin de rencontrer les pères de l'Église, parce que avec eux, nous allons ensemble travailler pour la réalisation de cet objectif. Donc, cette rencontre avec Papa Ngoussi est la première du genre. Ça dit que nous allons nous engager à rencontrer quelques leaders majeurs de notre Église. Voilà, donc c'est un tout petit peu dans le cadre de cette tournée que nous sommes là pour rencontrer le révérend Bruno Ngoussi.